Là, donc je suis en plein champ. Au loin, tu as une ville de Leuven. Je ne sais pas si tu connais Leuven. Louvain, on va dire. Donc voilà, c'est assez loin. Voilà, tac, 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 tac. Et derrière moi, bien écoute, je ne connaissais pas. Tu as deux radars donc qui permet justement de détecter, je pense, une base de contrôle. Disons des radars qui avertissent la tour de contrôle à Bruxelles, à Zaventem, quand les avions arrivent, voilà. Écoute, regarde comme c'est beau. Alors ici, je me retrouve, vous avez pu remarquer, dans un lieu que je ne citerai pas. C'est là où on cultive des pommes. C'est assez rare de trouver ça, je veux dire, pas très loin de Bruxelles. Donc là, évidemment, tout a été coupé. Et il reste encore une petite pomme. Alors évidemment la vidéo vous inspire en musique, mais je pense que c'est l'un des jours les plus chauds jamais enregistrés au mois d'octobre. On a frôlé les 23 degrés, si pas 23 degrés, donc à vous de voir en tout cas, mais c'est impressionnant. Et je peux vous dire qu'on n'a pas encore ressenti l'hiver, ni l'automne, mis à part le soir qui fait assez froid. Ouais, je veux dire, c'est un grand mot, assez froid, en minuscule on va le dire. C'est normal, on est en automne, mais je vous assure qu'en journée, on a encore vraiment cet air d'été. Ah, vous reconnaissez certainement ici les orties. Alors tout d'abord, beaucoup de gens ignorent que c'est une plante que l'on peut prendre en main, donc comme ceci. Voilà, je la coupe en deux et là, je ne suis même pas piqué. Alors ces fleurs, il ne faut pas les jeter parce que c'est vraiment, d'ailleurs si on est piqué par ça, par les orties, c'est très bon pour la circulation sanguine et c'est très très bon également pour une soupe, voilà, une soupe d'orties tout simplement. Voilà, c'est très très bon à boire. Je vous conseille de voir les préparations à base d'orties. Voilà, ici vous avez toute une rangée de fleurs qui traversent le champ et juste à côté, je vous ai filmé juste avant, vous avez des arbres à pommes qu'on appelle des pommiers bien entendu. Alors j'ai pas fait ma recherche, mais je crois savoir l'explication. Donc s'il y a des fleurs ici, c'est pour que justement les insectes puissent coloniser et peut-être pondre leurs œufs ici où il y a les fleurs. J'espère que je dis pas de bêtises. Parce que comme vous savez, il y a ici tous les arbres à pommes. Et c'est pour justement éviter que ça produise des insectes qui pourraient nuire aux pommes une fois qu'ils viennent à maturation. Et il est plus utile que justement les insectes, que ce soit les papillons, viennent justement pondre leurs œufs dans cette rangée de fleurs. Voilà, justement, parlant de papillons, il y en a un peu plus loin que vous voyez certainement. Donc voilà, j'ai du mal à diriger la caméra, mais voilà, vous l'avez vu. Justement, donc les papillons. Ça, c'était l'explication. Bon, je ne suis pas affirmatif à 100%, mais en tout cas, c'est ma déduction. Mais oui, comme tu vois, je suis en train de recueillir des graines.
pour justement les remettre dans un autre endroit. Donc je vais semer les graines en périphérie, je veux dire, de la ville. Alors, ça te paraît stupide, mais écoute, comme il y a parfois des petits parterres de pelouse ou d'espaces sauvages qui sont au bord des villes, pourquoi pas y mettre justement, y semer des fleurs comme je vois ici. Et l'année prochaine, ben voilà, vous allez avoir des belles fleurs comme ceci. Et l'avantage, c'est que les abeilles pourront y venir. Et bien sûr, vous allez avoir des belles ruches. Donc, si vous avez l'occasion, ben, de voir ici, comme ici, des fleurs avec des semences, ben écoutez, prenez-les, mettez-les dans un sac et semez-les plutôt qu'elles tombent. De toute façon, on a suffisamment, donc plutôt qu'elles tombent bêtement n'importe où, ben écoutez, si vous avez l'occasion, ben, prenez-les et semez-les. Voilà, avec l'action que je viens de faire, ben on dit souvent les coccinelles, c'est l'insecte du bonheur. Eh bien écoutez, j'espère que tout ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire récolter des graines et les déposer, on va dire les semer, dans un endroit où justement, pas loin de la ville, un parterre de terre, ben j'espère que ça apportera un peu de bonheur pour tout le monde, pour la nature, pour le plaisir des yeux. Mais aussi le bonheur pour justement les insectes qui viendront butiner ces fleurs l'année prochaine. Voilà, c'était un beau partage que j'ai voulu vous faire découvrir un peu musical, en musique, avec cette belle coccinelle qui apporte vraiment le bonheur, parce que le bonheur se trouve vraiment dans la nature. Et ça, beaucoup de gens ignorent. On n'inculque pas assez la nature dans les réseaux sociaux, malheureusement. Et encore moins à l'école, pas assez, pas assez, franchement pas assez. Et bien au contraire, ça me fait un peu peur pour l'avenir. Voilà, beaucoup de réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. On vous montre sur TikTok, Instagram, des chaînes YouTube qui valent rien du tout. Et malheureusement, on fait pas assez de chaînes sur justement les gens qui... Ben, comme je vais pas dire moi-même, mais les gens qui s'occupent un peu, qui partagent justement les vidéos sur le bien-être de la nature, parce que ça apporte tellement de bonnes choses que voilà, malheureusement, nous les êtres humains, on est en train de tout détruire, et ça, je l'ai déjà dit maintes fois. C'est bien dommage, j'en regrette déjà, et à l'allure où ça va, ben voilà, ça va nous tomber dessus, qu'on va rien comprendre. Ah, tu es là, ok. Eh bien, ça, c'est la source de vie. Et ça, c'est ce que je vais semer quelque part au bord de la ville, un endroit où je vous ferai montrer dans quelques mois. Parce que là, on est en automne, on est au mois d'octobre. C'est la saison où justement on récolte les semences. Et moi, dès que j'ai l'occasion de récupérer des semences de graines, je les sème dans un endroit où justement il y a un peu moins de fleurs, et ça permettra l'année prochaine les abeilles de butiner et de faire venir plein d'insectes. Donc s'il vous plaît, si vous avez l'occasion, ben, faites comme moi, essayez de récolter des semences. Si on a plein 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 comme ici, eh bien faites un bon geste pour la nature, c'est important. Merci à vous en tout cas. Voilà, comme tu as pu voir, ben, je suis dans un pommier.
on va dire un champ de pommiers. Et il y a pas mal de pommes qui se trouvent sur les arbres. Et voilà, pour faire respect à l'agriculture et au fermier qui a planté ces pommes, et surtout il faut le faire vous-même, vous ramassez simplement les pommes que vous trouvez par terre. Voilà, elles sont un peu abîmées, mais moi, voilà, je vais les consommer en tout cas. J'ai une petite pomme aussi, je ne sais pas si elle est bonne ou pas. Mais en tout cas, je n'enlève pas, par respect à l'agriculteur, les pommes qui se trouvent sur les arbres. Voilà. Si tout le monde pourrait faire de même, parce que l'agriculture, c'est assez difficile pour eux. Et voilà, si vous voyez des champs avec des pommes de terre, du maïs, comme ici, des pommiers, à gogo, ben, on va dire, vous pouvez en prendre une, mais s'il vous plaît, ne prenez pas des seaux, des seaux. Ça s'appelle tout d'abord du vol et c'est un manque de respect vis-à-vis de l'agriculteur. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. C'était Sébastien, du besoin d'évasion.